basketball. Parce qu'en plus, il paraît qu'il y a une soirée partie faite, donc si on gagne, t'as capté. Les gars, ça fait trop plaisir et là c'est le derby. Les frérots, c'est derby contre Salins. Donc ça c'est kiffant en fait. Moi j'habite à Poligny, puis à côté il y a Salins. Puis la dernière fois avec Jean Moreau, en fait on a deux derbies. Donc c'est stylé, donc ça va en faire 4 parce qu'en fait du coup c'est juste à côté, t'as capté. Non mais juste pour dire, gros, là c'est derby contre Salins. Ce qui est kiffant, bah, c'est qu'il y a du monde, il y aura du public, basta, voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est bon. Déjà, voilà. Les chefs, vous savez, les choses à corriger, tout ça, on l'a vu dans le dernier vlog, là, celui qui était sorti il n'y a pas si longtemps. Et puis là les gars, bah il faut qu'on reste dans ça, c'était pas mal. C'est la même intensité les frérots, donc là, voilà, moi je me suis dit quoi, là je vais préparer mon sac un peu après avec vous, mais juste pour vous dire, on en parle juste après, comment je vais entamer ce match là, comment je le vois, comment je vais faire, comment, voilà. Juste après-midi, qu'est-ce que j'ai fait les frérots? Bah les frérots, j'ai bossé, j'ai eu les enfants, donc on a fait, on a joué les U11, donc c'était cool, on a joué à la maison, là, après, bah là, on est dans le studio, tu vois qu'il y a toutes les chaussures, là, les chefs. Là, ça rigole pas. Enfin, bref. Là, les frérots, j'ai bossé un petit peu cet après-midi. Puis voilà. Et puis ensuite, j'ai regardé. Je fais, waouh, faudra peut-être que je me prépare, faudra peut-être que je vlog. Les gars, du coup, là, c'est bon, on est là. Je me suis fait des petits étirements. Ça m'a fait du bien. J'ai oublié quelques petits trucs, les points gâchettes. Bon, je vais les faire tout à l'heure. C'est pas un souci. Puis là, je suis sur la préparation. On est sur la préparation, les gars. Donc, s'il faut pas oublier, les frérots, le dentifrice après le match. Parce qu'en plus, il paraît qu'il y a une soirée tartiflette. Donc, si on gagne, t'as capté. Là, le. Alors, ça. Non, non, on n'est pas sur du placement de produit. En tout cas, là, c'est bon. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est la caméra. La caméra, j'ai ça. Le trépied, il est dans la voiture. Faut pas que j'oublie. Les chaussures, là, c'est bon. La bouteille d'eau, j'ai bu de l'eau, les gars. Donc, ça, alléluia, on est bon. Qu'est-ce qui me manquerait? Ah, bah, le caleçon, les gars. Le caleçon. Non, j'allais oublier. Ah ouais, ça, les frérots, ça m'est déjà arrivé. T'as la courge qui pend dans le jean, c'est moyen, quoi. Enfin, bref, t'as capté. Non, ça, c'est bon. Les chaussettes de match, attention, tard les ouf. Petite chaussette comme ça, hop, chaussette à papy, hop là. Non, on va pas mettre ça, je crois. Sac, les gars, où il y a tout. Parce qu'en fait, ce soir, après le match, souvent, bah là, je filme à un endroit. Donc là, donc tu vois, on a tout préparé, tout ce qu'il faut pour filmer, la lampe, tout, on est bien, on est carré. Les gars, c'est important. Voilà, ça c'est bon, c'est important qu'après le match, je puisse bien partir bosser, les frérots. Parce que vous savez, on a une activité à côté dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que je filme des mariages pendant l'été, il y en a qui m'ont déjà vu, j'ai déjà croisé des gars. Et puis voilà. Simplement, là, je vais t'expliquer comment je vais rentrer dans le match, comment ça va se passer, les gars. Allez, c'est parti, on se met dans une petite ambiance son, t'as capté. Il est l'heure du match. Il est l'heure du match de basketball. T'as capté? Ah, attends, là j'ai la petite lumière, je t'enlève un petit peu du scénario. Attends, c'est stylé ça. On peut vite donner une ambiance là. Comment on voit le match? Bon, voilà. Moi, tout simplement, là je pars. Donc voilà, là on est, il fait nu parce qu'en même temps c'est l'hiver. Bref, on s'en moque. Là, on va partir. Il faut que je me dise, à chaque fois que je fais des matchs à l'extérieur, je suis pas très bon. Je sais pas si ça vous arrive. Bon, j'ai confiance en moi. Je travaille beaucoup sur ça. De toute façon, toute la semaine, je travaille pour être au top, on va dire. Mais je pense, et en analysant les frérots, c'est que moi d'habitude à la salle de basket, quand on joue à Poligny, je viens bien avant et je prends le temps déjà de faire toutes mes gammes d'étirements dynamiques, ça c'est important pour moi, et puis ensuite je viens m'échauffer petit à petit et je fais tout petit à petit, voilà, jusqu'au panier, je peux shooter tranquillement. Là je pense qu'on va réduire un petit peu la phase où je vais tout simplement
prendre le temps de m'étirer dynamiquement, je vais rabaisser un peu ce temps-là, je vais le faire, mais je vais rabaisser ce temps-là et je vais plus me focus sur faire des paniers, c'est-à-dire aller faire des petits shoots en bas, extérieur, tout ça, m'habituer au panier, parce que finalement, mes créations de shoot, tout ça, sont bons à l'extérieur, on va dire, mais quand je vais faire pour la finition, il y a beaucoup de loupés, donc ça, faut corriger, alors peut-être que ça se corrigera, donc à voir. Maintenant, sur le match, comment il faut aller l'attaquer, comment il faut que je vois, comment il faut que je continue de faire, c'est être agressif. Plus je suis agressif, plus je suis en mouvement, plus je suis meilleur. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes dans ces phases-là. Souvent dans une équipe, on a tendance à recevoir le ballon et les gars veulent jouer jeu posé. Hop, on fait les systèmes, tac, 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 tac. Bon, oui, on le fait, ouais, c'est cool, mais moi, ça me va pas comme jeu. Alors je vais le faire et tout, mais faut pas que j'oublie que ça, il y a un temps pour faire ça, mais il y a un temps aussi quand je m'exprime, c'est-à-dire en jeu rapide, en jeu où c'est en mouvement, tout ça. Et là, les shoots rentrent, là tout rentre, tout la magie vient. Ok, donc peut-être que vous avez rencontré un petit truc comme ça. Donc c'est cool de l'entendre et de le partager ensemble parce que c'est cool, on partage la même passion autant qu'on en profite. Ambiance dark les frérots. Magali arrive. Non, il y a un fantôme. Bref, allez les gars, sans plus attendre, on va au match. Changement d'ambiance, je suis avec François. On va au Macumba en fait, les gars. On va pas au match, les gars. On a mis une vieille disquette, genre il est malade. Non, tu imagines Covid, juste... Covid, les gars, Covid, on peut pas jouer. On va au Macumba, let's go. Non les gars, en tout cas, là je suis en série, je suis avec François parce qu'en fait on a fait deux, il y a le minibus et la voiture, même si c'est à côté, donc c'est cool. Par contre, voilà, je sais pas s'il y aura tout le monde à l'heure ou autre, ça on verra. En tout cas, on reste focus les gars. Là, voilà, encore ambiance dark comme on a dit les gars, et puis voilà, la petite veste du PJBC, elle a bien changé là. Non, elle est dans le coffre quand même, j'ai mis dans le coffre, mais voilà, parce que là, voilà, on sait jamais, si la soirée tartifette après, on est équipé quand même. Les gars, on va voir l'équipe 2, donc là il y a mon gars Hugo qui joue, Antoine, c'est les gars avec qui on fait tout le temps les jambes. Au passage, je vois qui? Je vois la gars, nous voilà à Salins, les frérots. Les gars, il y a des anciens joueurs qui jouent à Poligny, parce que quand on était à Salins, les gars, enfin à Poligny, il y a des joueurs qui ont été à Salins. Guys, what's up guys? Bon, on perd pas de temps, les gars, c'est bon. Là, on est dimanche, je vous fais... Ça bouge ou pas? C'est des fois la caméra, elle bouge. Là, ça bouge pas. Les gars, ça là, match, let's go. Là, on est en préparation, on est en équipe. Bon, là, c'est bizarre, mais on est en équipe. On est tout simplement chaud, les frérots, on se concerte, on est là. Les gars, on va pas lâcher le match. Let's go, là, on se fait. Il y en a qui parlent un peu serbe, l'autre qui parle un peu américain. You do good game, gna gna. Non, là, je m'enjaillais un peu trop, les frérots. Non, c'était purement français. Bon, les gars, bon match, faut pas faire n'importe quoi. On reste concentré. Si on fait n'importe quoi, bon, on va perdre. C'est simple, machin. Les consignes, ça peut être important pour d'autres clubs, mais les consignes, c'est simple. Il y avait des joueurs à cibler. Je sais plus, il y en a un. Je connais pas trop les prénoms, je vous montrerai, mais il y en a un qui est poste bas, qui est assez costaud. Et lui, il fallait juste le trapper en bas et puis faire attention parce qu'il y avait un autre joueur qui allait à l'opposé venir pour prendre le ballon, parce qu'il lâchait facilement ses ballons à l'opposé, donc fallait être bien sûr l'aide, mais bien couper ligne de passe pour cette passe transversée, on va dire un petit peu, je sais pas si c'est les termes, mais en tout cas voilà, enfin quelques joueurs qui pouvaient dégainer aussi à 3 points, donc voilà, après fallait faire gaffe parce qu'on était préparé qu'il y a de l'intensité physique et du coup fallait pas, dès qu'on prend une intensité physique, bah pleurer ou faire je sais pas quoi, fallait répondre et voilà, donc je vous laisserai voir en tout cas ce qui s'est passé, mais ça c'est ce qui est en tout cas le mieux pour jouer contre Salins, voilà, voilà. En tout cas, il n'y a pas de secret. Puis voilà, bon, let's go, les frérots. Là, on remarque, il y a la passe de notre Serbe. Elle sert bien, ça c'est du Made in Serbia. Il y a pas, c'est-à-dire que le gars, il shoot à 3 points, il est censé être à l'intérieur, mais non. Le mec, il a un meilleur shoot que certains ailiers. Enfin bref, c'est stylé, du coup, ça marque. Là, je shoot également. Boum, allez, petite place aux ailiers, donc je marque. Ça, c'est vraiment cool dès le début de match. Je sais pas s'il y a trop faute, mais voilà. Là, petite fin, je suis en bas, je demande le ballon, il me voit pas. Donc c'est dommage, hein, dommage pour moi. Hein. Voilà. Ici, j'attaque. Hop, je vais mettre un petit panier, mais c'est loupé. Il prend le rebond. Donc là, faut voir parce que
Il y avait deux choix, marquer mon panier ou voir à l'opposé pour lâcher. Donc bon, voilà, là j'ai fait ce choix là, mais après vous allez voir que j'en ai fait plusieurs. Là, petit flotteur, ça va bien, enfin runner, ça va bien, et puis là après du coup, comme ça va bien, on n'hésite pas à le refaire, il presse, il met ses mains, il y a un moitié faute, mais c'est pas grave, boum, on balance, ça rentre, quand ça rentre, bah là, limite j'aurais pu continuer, aller essayer d'encore en faire, mais ça n'a pas fait. Là, je voulais juste vous montrer, je vais remettre parce que j'ai loupé. Non, regarde, là, je reçois le ballon et je trouve que j'ai dégainé assez vite. Il y a une bonne progression sur mon shoot à 3 points. C'est pour ça que déjà, j'en mets beaucoup plus. Mais voilà, regarde, là, je vais mettre play, mais non, je dégaine assez vite. Tout le bas et le haut a l'air assez coordonné. Voilà, il fallait peut-être pousser un petit peu plus fort. Mais voilà, même limite un peu plus vite pour pousser, pour qu'elle soit emmenée un peu plus haut. Enfin, voilà, j'essaie de me corriger tout le temps. Là, le Serbe, il shoot, et je comprends pas trop, le chef est trop chaud. Le job, 2-3 points en quelques temps. Là, j'attaque, je le drive. Bon, il y avait faute avant, dommage, mais voilà, on a drivé tout le monde, ça fait plaisir de retrouver cette percussion qu'on a besoin. Voilà, donc là le Serbe il marque encore, ça c'est bon. Made in Serbia, voilà, il est méga chaud, hop, dès le début. Ici, hop, on donne la balle en bas sur nos grands. Là, nos grands ont fait un gros taf et c'était sur eux un peu qu'il fallait jouer. Et puis dès qu'ils étaient un peu essoufflés, bah, les ailiers on reprenait le mouvement. Quoi. Là, il y a eu des fautes, c'est pour ça que vous voyez qu'il a plusieurs lancers. Là, hop. Shoot de notre ami, les gars, c'est shoot à 3 points, là, c'est la fête foraine, là, ça fait plaisir, boum, on passe en bas, il hop, il dégaine, il se crée un petit shoot, parfait, ça rentre dedans, c'est ce qu'on veut, donc là, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien, boum, là, il va au panier, on est à l'opposé, il y a eu faute, donc bon, ok, parfait. Là, hop, on va essayer de le rechercher. Il y a la moitié faute sur l'autre. L'autre, il s'explique, il perd du temps. Il se remet pas en question. Les gars, remettez-vous en question, c'est très important. Là, nous, il le met sans casser le poignet. Pensez à ça, les frérots. Ici, il shoot encore. On la met pas. Il récupère le ballon. Il y en a 3 sur lui. Vous, à votre avis, qu'est-ce que vous faites dans les commentaires? Est-ce que vous préférez faire une passe, les frérots? Ou alors, aller jouer à 1 contre 3? 1 contre 3. C'est délicat. Il le met, il met N1, tout ça. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai pas trop d'avis sur ça, mais n'hésitez pas, là on se bat pour le rebond, j'essaie, boum, je lance et là hop, j'essaie de retenir ma caméra, je tombe sur les pieds d'une fille en plus, mais voilà, la caméra n'a rien. Non mais c'est bon, la caméra n'a rien, je sauvais, je l'arcade, hop, salut, ciao bambino, bambino va jouer là. Là, il tire, je suis hyper content, boum, parce qu'il le marque. Là, c'est la mi-temps, il me semble. Moi, je suis hyper content quand les gars, ils marquent. Hein. C'est vrai que les gens, ils pensent que, bon, parce que je mets des points souvent, je suis à fond sur ça. Non, je suis à fond sur les dunks. Hein. Je suis à fond sur les dunks. Bon, là, malheureusement, avec le sol, pas d'excuses, mais bon. Mais voilà, les points, non, faut être content pour les autres. C'est l'esprit d'équipe, c'est vraiment s'amuser. C'est ça qui est cool. Donc, ayez cette mentalité-là, c'est très important. Donc là, voilà, faut très bien, il a encore des lancers. Et n'oubliez pas cette mentalité, comme je vous ai dit. Et soyez content pour les autres, parce que quand tu n'es pas content que la tête à moitié baissée, ça fout la haine, c'est chiant. Là, j'attaque fort, boum, je lâche à l'opposé, donc voilà, on bosse, tu vois, on fait pas tout le temps n'importe quoi, les gars, non? Là, boum, ah, j'ai pas cette situation-là, j'aimerais bien me retrouver tout seul comme ça et mettre un gros dunk à 2 pieds. Ici, on la donne à notre Joe qui essaie de tirer, il a créé une faute, donc ça c'est parfait. Il shoot, ça met 2 sur 2, donc là c'est complet. Là, je reçois directement dans le rythme. De toute façon, c'est dans le rythme, je peux balancer. Quand je suis dessus dans le rythme, je vous l'avais dit dès le début de vidéo. Donc ça, c'est bien. On continue d'avoir cette petite fibre-là. Boum, là, je continue. Je vois qu'à l'opposé, elle n'allait pas venir tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai attaqué. Directement, d'accord, donc pas couper les systèmes n'importe comment non plus. Ici, je la joue comme ça, j'essaye, donc là, alors, ça là, elle est intéressante, je vais vous la remettre, je vous la laisse jusqu'au bout et je vais vous montrer pourquoi elle est intéressante, dans plusieurs termes, si vous avez ça en match et vous pouvez la travailler. Ici, qu'est-ce qu'on marque? Je mets play. Là, bon, c'est un système de diamant, on va dire. Là, je récupère le ballon. Je vois qu'il passe directement, donc au-dessus de l'écran, donc ce qui me permet de le prendre à contre-pied. Donc là, je prends à contre-pied. Donc lui, déjà, on l'a enlevé. Là, il y en a un deuxième. Pour enlever un deuxième défenseur comme ça, la meilleure solution, c'est le changement de rythme. Quand tu te démarques, tu changes de rythme, t'es bien d'accord? Tu changes de rythme, hop, et t'as le ballon. Donc sans aller rapidement. Et là, sur une attaque, là, je remets play, j'attaque, boum, tu vois, je m'arrête un petit peu, un truc d'hésitation, c'est très minime, et on réattaque fort, ça permet de l'enlever un petit peu, donc là, il met sa main et tout ça, et voilà, donc si vous avez cette situation-là, bon, là, c'était pas pour marquer forcément, mais voilà, c'est bien à faire, et il faut le savoir, on a, tout le monde ne le dit pas, ça se dit pas trop, ça.
Non mais voilà, tout le monde ne nous dit pas. Voilà, on va abandonner ce mot-là, mais tu l'as compris. Là, je mets play. Le ballon pour lui, ensemble ballon pour lui. La contre-pied, pareil. Il engage son pied gauche, donc on prend à l'opposé. Et là, c'est très bien. Il se dégaine un petit tir parce qu'en bas, il y a trop de monde. Donc, voilà. Oh là, je voulais juste mettre ça, les gars. Voilà, shoot de notre Samy. Hop, notre Hugo qui tape dedans. Là, avec Hugo, on ponce le programme dunk. Donc, autant vous dire que on peut aller au saut. Ouais. Au saut à la perche. Ok. Ok, il met dedans. Le Serbe, hein, les Serbes, c'est à droite. Mais après, il est tombé par terre. Il a eu mal, mais il a eu ses lancers, donc parfait. Et voilà, rien de grave. Il a rejoué, c'est un bonhomme. Tire. Là, j'attaque, pareil. Contre-pied, vitesse. Là, je suis tout seul, mais c'est tellement bizarre. T'es tout seul, comme il n'y a personne. T'as l'impression que quelqu'un qui va arriver à te mettre une grosse bâche, mais pas du tout. Là, l'attaque la plus pourrie du monde. Là, je sais pas, on a été trop vite et la balle, on l'a oublié. On est parti sur le parking. Salut, là, au casino. Bref, là, petit shoot, on dégage, il n'y a personne sur moi. Donc là, clac. Là, faut sanctionner, hein, les gars. J'aurais pas mis, je m'en fous, je l'ai mis, c'est bien. Voilà, c'est tout. Faut pas se prendre la tête, les frérots. Là, hop, là, c'est le Serbe. Pac. Wouh. Oh, il est trop chaud. Les gars, je sais pas où il a appris ça. Moi, j'ai essayé. Hop, là, marché. On revient sur ça, les gars. Je voulais revenir sur ça, c'est important. Les gars. Moi, j'aime bien le retour vidéo parce que là, quand je fais ça, donc déjà, je parle pas à l'arbitre, j'ai rien dit après, mais ça fait perdre du temps et tu progresses moins vite. Et puis, là, dans ma tête, je me dis, mais il n'a pas marché, mais si, en fait, les gars, et ça, je le bossais un petit peu avant, je faisais tout le temps marcher comme ça, maintenant, je le fais de moins en moins, bien sûr, mais c'est-à-dire que là, hop, tu vois, je pose mes appuis, là, il faut poser le ballon. Je fais ma fin de corps d'un côté, quand je reviens, posez votre ballon. Et ne faites pas, je fais la fin, boum, je vais partir et je pose le ballon. Non, sinon là, il y aura souvent marché sur un ou deux temps. Enfin, voilà. Je l'ai fait souvent dans le match, ce truc-là, ça a marché. Mais là, une fois, donc je reviens sur ça pour vous montrer. Là, je mets play et boum, je décolle le pied avant de poser mon dribble, donc il a marché. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de parler 8 heures. Là, boum, on lâche à l'opposé ce qu'il est tout seul. Très bonne passe, passe d'est, boum, c'est dedans. Ça fait plaisir, notre Kevin, il marque là-dessus. Là, pareil, Samy, il tire, ça dégaine, ça rentre, les gars. Ils sont chauds à 3 points, donc voilà, il n'y a rien à dire. Ici, notre Big Joe. Bam. Là, il dit, ah ouais, là, pareil, les gars, les arbitres, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais il le regarde, il le regarde, il va l'embrasser. Hein. Oh, chef, j'ai adoré ton action, il y a faute. Non, attends, je remets. Non, parce que c'est vrai que de l'angle de la caméra, on voit pas trop. Et on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc là, hop, hop, l'autre, il a l'impression qu'il met pas de langue. Mais je pense qu'il met un coup pour se dégager et après tirer. C'est pour ça que l'autre, l'arbitre de queue, on dit, il a pris cette situation parce que c'était dans son angle. Et l'arbitre de tête ne pouvait pas le voir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Lui. Voilà. Donc l'arbitre de tête, lui, il siffle marcher parce que c'est dans sa vision. Et l'arbitre de queue, il siffle anti-sportif parce que c'est dans sa vision. Punaise, ces situations, j'aimerais bien l'avoir. Là, je serais arrivé. J'ai pas ces situations-là. Donc les frères. C'est match gagné, victoire. J'ai essayé de vous mettre les petits scores un peu par-ci par-là, mais voilà, les gars, c'est victoire, ça fait plaisir. Les gars, sur un sol nul comme ça, là, on est le lendemain, mes jambes, je les sens parfaitement. Pourquoi? Ben les gars, parce qu'on se ponce, on va tout simplement faire tous nos exercices avec Hugo, avec les autres pour progresser, pour pas avoir de douleur et pour sauter plus haut. Bon voilà, malheureusement, c'était dur de percuter, c'était dur d'être en bas et de mettre des dunks. Très très dur à ça là, c'est des gars qui cognent beaucoup, donc pas facile. Donc voilà, ça c'est la petite déception, c'est mon point négatif. Puis après... Il y a quelques points négatifs que j'ai pu avoir que là j'ai pas retrouvé dans la vidéo. Je sais pas, peut-être ça a coupé un moment, mais c'est des phases où j'ai le ballon sur ma sortie de système et je garde trop longtemps le ballon. Je garde. Limite après j'attaque et je loupe. Bah forcément je loupe parce que j'ai gardé trop longtemps le ballon. Faut que je sois en mouvement. Mais là j'étais vraiment dans la faute et je l'ai vu et voilà, donc je vais le corriger, il y a pas de souci. Mais voilà, pensez à ça, la balle elle doit vivre, elle doit pas rester plus de 2 secondes. Bon, ça m'est arrivé 2 fois dans le match, c'est rien, OK? C'est rien, mais il faut corriger vite, corriger, c'est important pour être au mieux, meilleur et puis pour évoluer sur d'autres choses après. Et puis il y a de notre phase aussi que faire attention sur la défense dès le début. Bon, il met 2-3 points sur la tête, voilà, donc les deltas, il défend pas au début, puis après je défends et puis c'est plus la même, ils mettent pas de points sur moi, donc ça fait plaisir. Voilà, après point positif quand même, faut du positif les gars, bah c'est que tout le match j'étais là à être dur, énervé,
encouragé. Les gars, faut y aller, machin, bam. Dans ma percussion, j'étais costaud. Dans mes choix aussi, j'ai su attaquer fort, ralentir pour voir ce que faisait l'autre et repercuter. Lâcher à l'opposé, c'est beaucoup mieux. Ils y sont. Alors forcément, les gars de ton équipe seront jamais contents, ils la veulent tout le temps. Mais non, ça se passe pas comme ça. En tout cas, c'est bien. Il y a du mieux au niveau de ça. On progresse encore, on garde ça. On a match la semaine prochaine. Les frérots, il faut rester concentré, focus sur ces objectifs-là et progresser, ok? Et pensez bien que les pointes, ce ne sont pas importants, ok? Vraiment pas important. Ce qu'il faut, c'est la victoire. De toute façon, que tu mettes, je ne sais pas combien de points, ça ne déterminera pas et ça ne va pas faire forcément de toi un joueur meilleur ou alors tout simplement, ça ne va pas être un argument. Alors, ça dépend pour qui, mais pour te recruter, d'accord? À haut niveau, on ne recherche pas forcément des gens qui mettent des points, mais on cherche forcément des gens qui sont compétents dans certains domaines, dans certains critères qu'un coach va rechercher pour complémenter son équipe. Voilà, les mots est dit. Donc voilà, les frérots, voilà, pensez bien à ça. Donc si vous mettez pas de points ou autre, et si vous mettez des points, rien à faire. Les gars, voilà, juste ça. Les gars, c'était la vidéo de Delta Lloyd, les frérots. Les gars, la prochaine vidéo, là, cette semaine, il faut être focus, il faut aller dunker. Il faut aller dunker fort, les gars. En tout cas, vous êtes encore présents, vous êtes chaud, vous êtes fou. Parce que vous suivez la petite série Delta Lloyd, t'as capté. On progresse. Moi, je progresse, en tout cas. Vous, j'espère que vous progressez. Restez à fond dans les commentaires. Je suis excité parce que là, je vais aller m'étirer. Je vais aller voir l'équipe de jouer. Les gars, à la prochaine. On s'appelle, on se fait une bouffe. Les gars, à la prochaine. Allez, salut, ciao. On va voir l'équipe 2, donc là il y a mon gars Hugo qui joue, Antoine, c'est les gars avec qui on fait tout le temps les jambes. Au passage, je vois qui? Je vois la cri-cri. Ouais. Ok. Ouais. Toujours stylé en plein ménage avec son fils qui jouait juste avant. Du coup là, let's go, on va voir les gars, j'espère qu'ils vont bien jouer, on va voir ça. On commence, derrière, ils ont un gaucher, ensemble. Ok, là c'est mes gars, ils vont être chauds. Ok. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, avec un déhanché tarlé. Bah, Samy shooter les gars. Les gars, vous allez voir dans le vlog de toute façon. Il a aligné. Clac 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 clac. Ok, ok. Eux les gars, ils ont mis le feu hier. Les gars, je les ai vus dans les tribunes, ils ont mis le feu. Lui, il a fait fermer des bouches. Lui. C'est ça les gars. C'est ça. Lui aussi. Lui aussi. Les gars. Ah là là. J'ai mis ce côté exprès. Ouais, on attendait. Ah bah c'est juste reparti bredouille. Reparti bredouille, chef. Léon, shooter à 3 points, frérot. Ouais, chaud les gars, l'équipe 2, voilà, ils sont chauds. Jules, le crosseur fou. Bien, bien. Oh là là, les gars, juste regardez les biceps. Là, il est... Par contre, il va faire un peu les jambes, il a dit, parce que là, jambes en ferraille.